cérémonie de signature des avenants au contrat d'exploitation et de partage de production au ministère du Pétrole entre Noël Mbumba, ministre de tutelle, Roger Ounomba, ministre de l'économie et un opérateur chinois. La signature porte sur les champs pétroliers découverts en mer profonde du Gabon. Pour ce partenaire, regardez donc ce reportage. Ces accords signés entre le ministre du Pétrole Noël Mbumba, son collègue de l'économie Roger Ounomba et l'opérateur chinois Sinop sont axés sur les permis d'exploration des blocs pétroliers BC9 et BCD10 retrouvés en mer profonde. Nos rapports, surtout le rapport qu'on a avec les pays qui nous hébergent, est très très important pour nous. Car nous croyons que c'est grâce à ça qu'on peut dégager les résultats que nous attendons. Le gouvernement, par l'entremise du ministère du Pétrole, attend beaucoup de ce partenariat. L'État gabonais veillera pour que non seulement nous puissions vous accompagner comme cela se doit, de pouvoir développer, faire des forages d'appréciation, faire de l'explo, faire des forages d'appréciation pour pouvoir augmenter le potentiel à la fois peut-être de gazier qui a déjà été découverte, et pourquoi pas le potentiel en huile que nous pensons par rapport à ces deux blocs. Sinop marque ainsi sa volonté de participer au 12e appel d'offres sur les contrats d'exploration et de partage de production. C'est l'illustration que notre bassin sédimentaire intéresse les investisseurs et nous sommes pour nous, en tant que membres du gouvernement, satisfaits de cette collaboration souhaitée par le chef d'État qui voudrait que nous puissions développer notre portefeuille de partenaires. Deux semaines auparavant, cet accord de principe a été conclu à Cape Town en Afrique du Sud lors de la 26e édition de l'Africa All Week par ce partenaire chinois, Sinoc, avec le ministre gabonais du pétrole.